Invitée dans l'émission Média de RTL On refait la télé, l'animatrice Julia Vignali s'est livrée sur son rôle dans la série Pamela Rose, que tournent Kad Merad et Olivier Barou pour Canal+. Mariée depuis novembre 2022 à l'acteur, réalisateur et humoriste Kad Merad, Julia Vignali dévoile petit à petit des détails sur leur relation. Le 8 mars dernier, à l'occasion de son passage sur le plateau du programme Buzz Télévision, la co-animatrice de Télématin a profité de la promotion de son ouvrage Adieu Bordel. Comment gagner du temps, de l'argent et des moments de bonheur pour balancer les mauvaises habitudes de son époux. Je vis avec des gens, que ce soit mon fils ou mon mari, assez organisés. Mais bon, on est toujours le bordélique d'un autre. Moi, je vais vous dire que je le trouve bordélique, parce que je suis tellement, voilà, a déclaré celle qui semble obsédée par le rangement. Mais, ce samedi 25 mars, ce n'est pas sa passion pour l'ordre que la jeune femme a évoqué au micro de l'émission On refait la télé sur RTL, mais sa présence sur le petit écran dans la future série de Canal+, Pamela Rose. J'ai été évidemment pistonné en acceptant de jouer le rôle d'une animatrice de matinale américaine dans la prochaine série Canal+, Pamela Rose, Julia Vignali s'est lancé un sacré défi. Invitée sur le plateau de RTL, la jeune femme est revenue en toute transparence sur cet retour étonnant dans la comédie. Ne niant pas le fait qu'elle a été pistonnée par son conjoint, Julia Vignali a déclaré, « Oui, c'est vrai. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il faut que je sois excellente dans ce rôle. J'ai été évidemment pistonné. Kad et Olivier ont évidemment pensé à moi parce qu'ils me voient tous les matins prendre l'antenne et faire le rôle qu'ils m'ont donné, c'est-à-dire présentatrice télé. C'est un clin d'œil consciente que sa présence dans la mini-série fait et fera l'objet de certaines critiques, l'animatrice télé a tenu à désamorcer les futures remarques à son égard. C'est un clin d'œil, a-t-elle d'abord lancé à Éric Dussard. Et d'ajouter, je n'ai qu'une journée de tournage. Le 5 avril, avec l'anxiété de me dire qu'effectivement, j'ai un rôle qui aurait pu être donné à une autre comédienne si mon mari n'avait pas été Kad Merad. Donc, je me dois d'être non seulement bonne mais très bonne. Et, qui sait, ce petit rôle donnera peut-être l'envie à Julia Vignali de renouer avec ses premières amours. Article écrit avec la collaboration de 6 médias. À lire aussi on se lève, on se prépare. Et on rentre chez soi, comment Julia Vignali et Thomas Otto font face aux grèves à Télématin à la dernière minute.